Je m'appelle Mathilde Vandal. Si c'est un agriculteur qui me demande ce que je fais ou qui je suis, je réponds que je suis une petite fille de paysan belge et que j'ai fait des études de bio-ingénieur en option agricole en Belgique. Et si c'est toute autre personne à peu près qui me demande, je dis que je fais un doctorat en sciences de l'environnement sur le mouvement néo-paysan en Suisse romande. Alors, j'ai assez peu travaillé avec l'agroécologie au sens direct du terme. C'est une notion qui est beaucoup apparue dans ma recherche. Elle est mobilisée par les personnes que j'ai rencontrées, qui sont du coup des personnes, ceux et celles qu'on appelle les néo-paysans. Donc, c'est des personnes pas issues du milieu agricole, mais qui décident d'en faire leur vie et d'en faire leur profession, ou leur mode de vie même plus généralement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une profession, la paysannerie. Et si je voulais être un peu provocante, je pense que l'agroécologie, c'est une tentative de réinventer un système agricole et c'est une tentative de réconcilier peut-être l'agriculture avec des dimensions environnementales qui deviennent de plus en plus prenantes et pressantes aujourd'hui. Et puis, c'est un courant qui finalement est beaucoup porté par un certain type de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu peut-être pour l'agroécologie, c'est de pouvoir prendre cette position de force qui est d'être entre des dimensions humaines, des dimensions agronomiques, des dimensions environnementales, pour l'utiliser comme une base de dialogue plutôt que de clivage. Pour des populations urbaines comme nous, enfin moi j'habite en ville aussi, et puis a priori, j'ai pas grand-chose à voir avec l'agriculture à part ma recherche aujourd'hui. On utilise beaucoup des catégories comme le bio, le pas bio, on parle d'agriculture industrielle, conventionnelle, peut-être parce qu'on manque aussi de nuances et puis on manque d'un ancrage dans des réalités pratiques du quotidien qu'ont des personnes qui pratiquent l'agriculture. L'agroécologie, j'ai l'impression que c'est un terme, encore une fois, enfin, il est triple, mais je pense pas que je suis la meilleure personne pour en parler. Donc, ça a une connotation de mouvement social, c'est également un mouvement presque académique de recherche qui est parti dans ce sens-là, et c'est un ensemble de pratiques agronomiques. Donc, il y a cette triple connotation qui, en fait, c'est une grande richesse parce qu'en fait, il y a plein de personnes, plein d'acteurs, d'actrices différentes qui se retrouvent autour. Et en même temps, ça amène pas mal de malentendus aussi, parce que selon qui l'aborde ou qui s'en empare, ben les connotations et les conséquences de l'usage de ce mot, elles sont assez différentes. Donc je dirais l'agroécologie, c'est peut-être plus qu'un label ou plus qu'un ensemble de pratiques agricoles ou agronomiques, c'est une manière de penser l'agriculture et de penser sa place au sein de notre environnement plus général et de notre société. Ben, le bio, en fait, c'est avant tout, c'est un label. C'est lié à la commercialisation, du coup. Il pose plein de questions aussi parce que la grande distribution et plein d'autres secteurs commerciaux s'en sont emparés. Donc, finalement, c'est un label commercial et il faut recontextualiser ce que c'est. Après, il y a des personnes, enfin, parmi les acteurs, les actrices que j'ai rencontrées, et on parle de bio convaincus ou de bio dans l'âme, donc des gens qui sont dans cette quête presque de se demander comment est-ce que, en pratiquant une agriculture, on arrive à l'intégrer de la manière la plus fluide possible dans l'environnement dans lequel on la pratique. Et puis il y en a d'autres pour qui on parle des bioéconomiques, qui sont des bio finalement parce que c'est un choix commercial, parce qu'aujourd'hui l'agriculture elle peine tellement à être rémunératrice pour beaucoup de personnes, même en Suisse qui est un pays extrêmement aisé. Et du coup il y a des personnes qui utilisent ce bio presque comme un choix commercial ou un choix de vente. Mais je pense que ça demeure une minorité, il y a quand même aussi un élan philosophique derrière, mais le bio est né autour finalement de toute une série de valeurs. Et il s'est fait phagocyter, il s'est fait institutionnaliser au fur et à mesure du temps aussi. Donc il faut, je pense, recontextualiser qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Et puis c'est quoi ses potentiels et c'est où les endroits où il faut les dépasser peut-être. Je m'intéresse aux néo-paysans, qui sont un mouvement qui est médiatiquement assez visible ou de plus en plus visibilisé, mais qui tend finalement à être dépeint comme des initiatives individuelles que quelques personnes dans la société, par une prise de conscience, ont eu envie de changer de mode de vie. Et puis moi, j'ai cette conviction qu'en fait, il y a quelque chose de plus transformateur dans le mouvement néo-paysan que la manière dont on le fait paraître aujourd'hui.
Donc je m'y intéresse depuis une perspective agricole, de me demander ben, en fait, comment est-ce que ce mouvement de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, le fait qu'elles arrivent, elles apportent d'autres questions, ou elles posent un autre regard sur l'agriculture, et elles ont cette capacité fascinante d'être en dialogue avec à la fois des réalités agricoles, un cadre politique, elles sont de plus en plus, enfin, elles comprennent les réalités finalement des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui. Et en même temps, il y en a beaucoup qui débarquent là pour des motifs environnementaux, qui sont elles-mêmes activistes ou militantes écologiques sur le côté. Et je pense qu'on est à une ère, enfin, on parle beaucoup de cette idée de pouvoir aligner finalement les mouvements agricoles et les mouvements environnementaux derrière une cause commune. Et je pense que notre meilleur potentiel pour sortir des clivages qu'il y a entre ces deux mouvements ou ces deux mobilisations, c'est pas de garder les discours à une échelle très générale et puis de parler d'antispécisme ou d'élevage comme des grandes catégories, mais c'est d'aller voir comment des personnes qui sont directement en prise avec les réalités agricoles et avec les mouvements environnementaux, ben, comment elles composent, comment elles, dans une suite de compromis et de dialogues, elles parviennent à une forme de complexité, mais aussi de cohérence dans leur système de sens et dans leur système de pratique. Donc moi, je suis allée voir une quarantaine de fermes néo-paysannes en Suisse romande, et puis je suis allée voir leurs voisins voisines du milieu agricole, et puis je m'intéresse à la cohabitation entre ces deux, une cohabitation territoriale. Je suis aussi allée dans des écoles d'agriculture pour voir comment est-ce que finalement dans une classe ça interagissait ces différentes trajectoires sociologiques aussi. Aujourd'hui, pour mettre dans un contexte agricole plus loin, on a une politique agricole qui pousse d'un côté pour une intensification de l'agriculture, où il y a vraiment une acceptation généralisée que le nombre de fermes disparaissent et puis qu'on remplace les humains finalement par des machines et par de la chimie. Et de l'autre côté, il y a cette volonté d'avoir quand même un mouvement d'écologisation, d'avoir des zones de biodiversité, les PER, les prestations écologiques requises, etc. Puis c'est assez paradoxal et ça met une tension immense sur le milieu agricole, à la fois parce que les paiements directs, on rémunère les agriculteurs en fonction de la taille que fait leur ferme. Donc c'est une pression pour avoir une ferme de plus en plus grande, pour que la ferme elle puisse se perpétuer et être transmise aux enfants après, parce qu'il y a beaucoup des logiques de transmission. Et à la fois, il y a ce truc de, ben, il y a des zones entières qu'on va rendre disponibles pour la biodiversité. Et je ne suis pas du tout en train de critiquer ou de remettre en question le fait que la biodiversité, c'est un aspect essentiel, mais le fait de le faire à une échelle hyper globale, institutionnelle, ça rend super difficile pour des néos après de venir s'installer, parce que la pression foncière, donc la pression pour la terre, elle est super forte. Et aussi parce qu'en fait, les agriculteurs, ils sont dans un contexte dans lequel les dernières décennies, on a parlé d'eux en disant qu'ils polluaient, que c'était des personnes dont les pratiques nuisaient à l'environnement. Donc il y a vraiment cet imaginaire de l'écologie qui vient agresser le monde agricole. Et puis les néos qui débarquent avec des considérations environnementales, ben, ils sont très vite assimilés à ces grands discours et à ces grandes, finalement, violences symboliques. Parce que je pense qu'il y a une forme d'écologie, mais il faut se demander aussi à quelle échelle elle est mise en place, par qui, c'est qui porte ces intérêts d'écologie et par quels moyens. Puis quand c'est des grandes institutions politiques qui décident et puis qui finalement s'emparent de questions agricoles, mais sans laisser les agriculteurs et les agricultrices les discuter ou en faire finalement des questions de leur quotidien, comme ça a été le cas historiquement, ben on rentre dans des situations dans lesquelles il y a un rapport de pouvoir. Et je pense qu'il y a une véritable réaction défensive. Puis, du coup, je m'intéresse à la manière dont les néos, en arrivant, ils viennent intensifier ou ils viennent résoudre certains de ces conflits entre environnement et agriculture. Les néos, il y a leur pratique agronomique qui, en général, donc ce sont des personnes qui vont s'orienter vers le bio, qui vont essayer de faire une agriculture sans intrants, le plus possible, avec une mécanisation légère, etc. Et ça, en soi, c'est déjà super intéressant. Mais je pense que le réel potentiel ou ce qui est fascinant dans leurs arrivées, c'est que ce sont des personnes qui s'installent en agriculture. On est dans un contexte dans lequel il y a de moins en moins de personnes ou de fils et filles d'agriculteurs qui veulent reprendre. Et c'est des personnes qui, du coup, revalorisent ce métier aussi par leur trajectoire et le fait de dire, ben, en fait, pour nous, ce que vous faites, ou produire la nourriture, ça a du sens, ça a un sens central au vu de la situation en plus environnementale globale. Ça shift complètement la question. Donc ça veut aussi dire qu'on pense plus l'agriculture en opposant bio, pas bio.
On pense l'agriculture en termes d'échelle. On pense l'agriculture en se demandant, ben, il y a combien de personnes qui sont actives dans l'agriculture, dans notre société, dans notre région. Et du coup, c'est quoi la taille des fermes? Parce que c'est clair qu'une agriculture dans laquelle on a 2% de la population, comme c'est le cas aujourd'hui actuellement en Suisse, et des fermes qui du coup font, selon les régions, jusqu'à une centaine d'hectares, ben, moins on a de gens dans l'agriculture, moins on a le choix sur le type d'agriculture qu'on peut pratiquer aussi. C'est-à-dire que passer une certaine surface, bien sûr que peu importe l'adaptation climatique qu'on va devoir mettre en place, on ne peut pas se passer de machines, on ne peut pas se passer d'intrants lourds. Donc ils viennent poser la question autrement, au lieu de partir des pratiques agronomiques, ils viennent poser la question de ben, y a combien de personnes dans l'agriculture aujourd'hui et le combien de personnes ça amène à quel modèle agricole est-ce qu'on a, ou quel modèle agroalimentaire est-ce qu'on a en option. Et plus on a de personnes, encore une fois, plus on a le choix. Plus on peut s'ajuster, plus on peut s'adapter et plus on a aussi du coup une capacité de modifier ce système agroalimentaire comme il va devoir l'être dans les futures décennies. Bon, je pense qu'il faut être vachement prudent parce qu'on a un mouvement d'installation, mais c'est pas du tout le même ordre de grandeur que la quantité de fermes qui disparaissent. Donc en Suisse aujourd'hui, on a 4 fermes qui disparaissent par jour environ, donc ça fait environ 1000 par an. Donc c'est pas du tout un mouvement qui va être capable d'endiguer cette perte d'actifs et d'actives dans l'agriculture. Mais par contre, le fait qu'il y ait des gens qui se disent ben, « nous, on fait le choix de venir se réinstaller dans l'agriculture », ça pose la question, ça repolitise cette question de se dire ben, « est-ce qu'on peut laisser un secteur dont notre survie à tous et toutes dépend se vider comme ça de toutes les personnes ?» Parce qu'actuellement, les fermes qui s'arrêtent, c'est souvent des terres qui sont remises aux voisins et aux voisines, donc qui viennent agrandir d'autres fermes. Et c'est très peu des terres c'est très peu des fermes qui restent vivantes. Donc ça veut dire qu'on a aussi une recentralisation des centres urbains. On a de moins en moins de personnes qui vivent et qui occupent le territoire en Suisse. Et ça pose aussi d'autres questions sociales, des questions de ben finalement c'est quoi le rôle des agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est d'entretenir un paysage ou est-ce que c'est de produire de l'alimentation? Est-ce que du coup on part vers une forme de est-ce qu'on intensifie ou est-ce que on essaye de mettre en vitrine des beaux paysages agricoles? Et puis peut-être encore une dernière chose, on parle beaucoup d'intensifier l'agriculture et j'avais une prof de bachelor qui disait qu'en fait, agriculture intensive, ça ne veut rien dire en tant que telle. Faut spécifier, c'est quelle variable est-ce qu'on essaie de l'intensifier. Et puis en gros, il n'y a pas un millier de choix non plus, donc on peut l'intensifier selon la surface, donc on a des systèmes de pastoralisme par exemple avec des grandes surfaces, et puis du coup c'est une agriculture qui fonctionne parce qu'on a énormément de surface. A priori en Suisse, c'est pas tellement le cas. En tout cas, on est bien à court de surface foncière aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est un élément d'intensifier selon un capital. Donc ça veut dire c'est souvent un capital pétrole ou un capital machine. Donc ça veut dire c'est tout ce qu'on amène en termes d'investissement d'argent, d'investissement de matériel, d'investissement d'énergie extérieure du coup à l'environnement local. Et le troisième, c'est d'intensifier avec la main d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on est dans un pays avec une surface limitée. On sait, au vu de tout ce qui se passe autour, qu'on va devoir relâcher complètement notre dépendance aux machines, aux énergies fossiles, aux apports chimiques de toutes sortes. Ben, notre dernière chance, en fait, c'est de l'intensifier avec les êtres humains. Et là, effectivement, le mouvement néo-paysan, pour le moment, il a un potentiel qui, démographiquement, est pas vraiment, suffit pas en tout cas à endiguer cet exode rural qui a encore lieu en fait, hein, donc cet exode agricole. Mais par contre, je pense qu'il revisibilise la question. Il pose explicitement la question de c'est quoi ce système dans lequel on se retrouve avec une agriculture derrière laquelle il n'y a plus d'humains. Économiquement, ça reste super compliqué pour la plupart des fermes que moi je suis allée voir. Donc, il faut aussi voir comment adapter la politique agricole autour pour qu'elle rende ces installations possibles et pérennes. Et ça pose aussi toute la question de l'accès à la terre, qui pour le moment est hyper difficile pour ces personnes. Donc, pourtant, il y a 25-30% des personnes dans les filières agricoles qui n'ont pas de perspective de reprise de terre, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas hériter de la ferme de famille, en gros d'une génération au-dessus. Mais ça reste un problème très très peu mentionné. Je pense qu'il faut aussi se méfier de cette envie finalement que des personnes ont de vouloir venir remplacer l'agriculture en place. Enfin, je pense déjà on n'a pas le temps. Enfin, on doit composer et aussi en termes démocratiques, en termes d'un projet enviable. Moi, j'ai pas envie qu'on ait
une population d'origine citadine qui tout d'un coup arrive dans des zones d'où ils ne sont pas issus et puis qui disent en fait nous on a compris l'agriculture et nous on va faire ça. Et puis vous de votre côté, vous, jusqu'à votre retraite on va dire, vous continuez dans votre ancien modèle très productiviste. Moi je pense que c'est considérer le mouvement néo-paysan de manière hyper individualiste et puis l'idée c'est quand même que le système agroalimentaire c'est un système qui nous concerne toutes et tous et donc c'est un enjeu démocratique, ça veut dire qu'on doit, on doit s'en emparer collectivement. Donc peut-être pas juste laisser quelques initiatives se poser dans le territoire agricole, mais se demander qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ou quelle sonnette d'alarme est-ce qu'elles viennent tirer en fait, par leur présence et par leur quête d'installation.